Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver dans ce rendez-vous culturel de la rédaction de France 3 Corse via Stella, In Tantu Cultura. On connaît les grandes fondations d'entreprises, la Fondation Cartier, la Fondation Louis Vuitton et leur action en faveur de l'art contemporain. On connaît aussi les entités indépendantes telles que la Fondation du Patrimoine. On sait moins que soutenir financièrement la culture et le patrimoine, c'est possible, quelle que soit sa taille, et que la somme des bonnes volontés individuelles permet de faire de grandes choses. Le mécénat culturel est très important en France, il est beaucoup plus marginal en Corse, et à l'heure où les institutions publiques peinent à sanctuariser des fonds pour la culture, on se dit que ce pourrait être une source de financement très sérieuse. Pour en parler ce soir, nous recevons un mécène, Charles-Henri Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes un philanthrope, mais aussi le coprésident de la Banque Lazare. Alors, vous avez été en charge du chapitre mécénat de la candidature de Bastia pour être capitale européenne de la culture en 2028. Avant de développer le sujet qui nous intéresse ce soir, le mécénat, je voudrais que vous nous disiez quelques mots sur cette expérience. Bastia n'a pas été retenue, mais quels enseignements en avez-vous tiré? D'abord, ça a été une très belle expérience. Mmh. Ça a été extrêmement sympathique, chaleureux, vivant. Je trouve que le travail qui a été fait, moi j'étais plus... en adjacent, chargé d'aller essayer de trouver des fonds au cœur du projet culturel. Je suis un homme qui aime la culture, mais je ne suis pas un homme de culture à proprement parler. Et je trouve que cette fabrique du projet, en plus la manière de faire, c'est-à-dire faire monter les projets dans un territoire qui n'est pas qu'une ville, c'est ça la grande différence avec les autres villes, c'est que nous sommes une respiration sur tout un territoire, et ceci a été très bien fait. Ensuite, on a bien travaillé. Je crois qu'on a fait un bon dossier. Notre oral a été un peu plus challenging. Ça a été, de mon point de vue, je trouve que notre présentation était bonne. Quand on est venu aux questions, ça a été un peu le choc des cultures. Oui. La culture corse comme contre une certaine forme de culture anglo-saxonne, je dirais. Dans la culture anglo-saxonne, malgré tout, on tique des boxes. Oui. On pose des questions prédéfinies. Et le fond, de temps en temps, celui que nous voulons communiquer, peut-être manque un peu. Ils étaient moins sensibles à l'âme corse que ce que vous auriez pu attendre. Alors, d'un point de vue du mécénat, j'imagine que vous avez dressé un diagnostic, un état des lieux de la situation en Corse pour préparer cette candidature. Qu'avez-vous découvert? Je crois d'abord que c'est assez difficile de tirer un état des lieux. Je ne pense pas qu'on ait énormément de statistiques sur le mécénat. Non, il n'y en a pas sur la Corse. Ça, c'est difficile. On sait qu'on part d'assez loin sur le plan des pratiques de l'esprit. D'ailleurs, sur le territoire français en général, il y a 30 ans, le mécénat existait très peu. Il y a eu un très fort développement, d'ailleurs très aidé par les pouvoirs publics et la fiscalité. Et nous n'en sommes qu'au début. Et souvent, je pense, pour être honnête, que, évidemment, la dynamique du concours, si on avait été présélectionné, nous aurait fait avancer beaucoup plus vite en matière de mécénat. Ouais. Parce qu'on a l'impression que souvent on confond encore ce mécénat et sponsoring ou partenariat, alors qu'il y a plein de petites entreprises qui sont d'accord pour soutenir contre l'affichage d'une marque, une initiative culturelle, mais souvent c'est du saupoudrage et ce n'est pas une démarche structurée. Les deux existent. Vous avez cité des très grandes marques tout à l'heure qui font du mécénat, mais qui font aussi du sponsoring. Donc, il y a un croisement entre les deux. Il y a des petites gens comme moi qui ne font pas de sponsoring, parce que je n'ai pas de marque à défendre. On va y venir. Moi, je ne suis pas du tout contre le sponsoring. D'accord. Je ne suis pas du tout contre le fait que des grandes entreprises profitent aussi un petit peu de ce qu'elles font, du moment qu'elles font quelque chose de bien. Voilà. Donc il faut faire des choses bien, on a besoin de fonds privés, et à ce moment-là, les compromis sont acceptables, je pense. Alors, on disait, nous ne disposons pas d'études sur le mécénat en Corse, mais au niveau national, quelques chiffres, le mécénat d'entreprise en France, c'est 3,6 milliards de dons en 2021, seulement pour les entreprises, et à cela s'ajoutent les dons des particuliers, donc c'est considérable. Parmi les entreprises mécènes, il y a 33% de PME. C'est un chiffre qui a retenu mon attention. Donc il n'y a pas que les multinationales qui donnent. Non, je pense que, si vous voulez, moi je travaille un petit peu avec la Fondation de France, où j'ai créé quelques fondations. Il y a une multitude de fondations dont vous n'entendez pas parler, justement. On entend parler quand il y a un peu de sponsoring, mais sinon on n'entend pas parler. Et il y a beaucoup de gens qui ont à cœur de développer des projets. Et qui ne sont pas forcément tous très riches, non, contrairement aux idées reçues. Non, mais si vous voulez,
Le mécénat n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'engagement. Moi, j'ai pratiqué, surtout dans le mécénat social d'ailleurs, et dans le mécénat des talents, il faut de l'argent, mais il faut de l'accompagnement. Dire, j'ai fait du mécénat, j'ai posé de l'argent sur la table, et c'est très bien comme ça, c'est pas mal, on est content, mais ça n'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est l'engagement des gens qui font du mécénat en faveur de cause, en quelque sorte. Alors, on l'a dit, 3,6 milliards de dons en 2021, pas seulement pour la culture représente 22% de ces dons. La culture est donc le deuxième secteur qui reçoit le plus de dons en France, après l'éducation et devant le social, et cette part du mécénat culturel ne cesse d'augmenter. Et c'est en province, et non pas à Paris, que l'on donne le plus pour la culture. 44% des entreprises en région donnent pour la culture, contre 24% en Île-de-France. Charles-Henri Philippe, comment expliquer alors le retard de la Corse en matière de mécénat? Est-ce que c'est par rapport aux autres régions, même peut-être, est-ce que c'est en raison de son tissu économique, de la faiblesse de son tissu économique? Ça va de soi, si vous voulez. Il faut partir, si vous voulez, même la richesse picturale d'un pays dépend de son tissu économique, si vous voulez. Quand on a vu l'art faire mouvement de l'Italie vers la France, puis de la France vers les États-Unis, c'est que l'argent, les patrimoines se déplaçaient, et ceux qui investissaient dans la culture ou dans l'art, ça changeait, c'est le mouvement des planètes. Vous remarquerez d'ailleurs que les Chinois, qui étaient un art extrêmement cher il y a 10 ans, c'est un art moins cher. Pourquoi ? Parce que globalement, il se passe des petites choses entre la Chine et l'Occident. Donc les mouvements géopolitiques, les situations, donc nous, notre situation économique d'une part, d'autre part, nos problèmes propres n'ont sans doute pas incité à faire des choses, mais on voit les choses apparaître maintenant. Il y a ces jeunes qui font ces affaires manifestiaux. On peut en voir quelques images, en effet, de la Biennale de Bonifacio. Voilà, c'est formidable ce qu'ils font, ces jeunes. Biennale d'art contemporain, qui a permis de réunir des grandes pièces, comme cette pièce qu'on voit là d'Anish Kapoor, notamment, mais il y en avait bien d'autres. Ce sont deux jeunes corses qui ont organisé ça et qui sont allés chercher des mécènes en partie. Mais on se le disait en préparant cette émission, Bonifacio, c'est plus facile quand même. Il y a pas mal de gens qui ont de l'argent. Non, mais, vous voulez, et qui apprécient la ville. On peut toujours dire que c'est facile. Alors, on prend des initiatives, elles réussissent, c'est facile. Voilà. Alors, mais faut-il prendre les initiatives et capitaliser sur ce qu'on peut faire. Vous disiez, la culture, ça dépend aussi de la prospérité. Le mécénat, ça dépend de la prospérité. C'est clair que dans le Sud, il y a de la prospérité touristique assez forte. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont prêts à aider des gens de talent. Car, celui-là, il ne suffit pas d'aider, il faut trouver, il faut convaincre. Moi, j'ai rencontré ces jeunes, je les ai trouvés formidables, très convaincants. Et là, je crois qu'ils sont en train de passer. Je sais pas si on peut le dire, je crois. Disons-le, oui, effectivement, les organisateurs de Rénaval, la Biennale, ils sont en train de conclure un accord avec le centre, avec le 11 avril, le musée d'avril. C'est formidable. Et donc, j'insiste sur une chose. Il y a des politiques publiques et il y a des initiatives, il y a des personnes. Et dans un petit pays, il peut y avoir plus d'initiatives. Parce que proportionnellement, ça a plus d'effet. Donc c'est très bien. Alors quand on pense mécénat, on pense naturellement aux musées qui affichent les noms de leurs généreux donateurs. C'est le cas du musée Fesch à Ajaccio, qui porte d'ailleurs le nom d'un des plus grands mécènes et collectionneurs d'art de la période moderne en Occident, le cardinal Fesch. Aujourd'hui encore, le musée peut enrichir ses collections grâce aux dons, en nature ou en argent. Et les mécènes sont parfois très étrangers à la Corse, comme le montre ce reportage de Caroline Ferrer et Franck Rombaldi. Portrait de Napoléon Bonaparte en habit de premier consul. En 2017, la ville d'Ajaccio a pu acquérir cette œuvre de Jean-Baptiste Greuze grâce à un certain John Morton Morris, un mécène londonien qui l'avait alors gracieusement financé à hauteur de 175 000 euros. Il faut faire du lobbying, il faut avoir un réseau. C'est le rôle des conservateurs qui ont un réseau de collectionneurs. Et ces collectionneurs, très souvent, aident les conservateurs pour eux-mêmes leur acquisition et compléter leur collection au sein des musées. Parfois, le mécénat se fait aussi dans le cadre d'une restauration. À côté de l'homme aux gants du Titien, on peut lire ce nom, Azo Tavissian. Lors de la réouverture du musée Fesch en 2011, ce milliardaire avait fait un don de 40 000 euros pour la restauration du chef-d'œuvre. Il avait besoin d'une restauration et ce que l'on appelle un bichonnage. Et il a bénéficié d'un mécénat d'un riche collectionneur new-yorkais.
Ainsi était née l'idée de la création d'une American Friend, c'est-à-dire un réseau de mécènes américains actifs un temps mais plus aujourd'hui. L'association des Amis du Palais Fesch qui lui était liée est-elle restée active depuis le début sans discontinuer ? Nous pouvons effectivement faire l'acquisition d'œuvres qui peuvent être de l'ordre de 4-5 000 euros. Mais il y a une année, je me souviens, je crois que c'était en 2018, nous avions fait plusieurs acquisitions pour un montant de 12 000 euros. Donc c'était peut-être l'année où nous avions le plus dépensé. Le musée bénéficie aussi régulièrement de dons. La donation Landini avait permis l'ouverture d'un département de peinture corse. Le mécénat peut être numéraire, en compétences, en technologie ou en nature. En échange de leur soutien, les généreux donateurs peuvent déduire leurs dons de leurs impôts. Alors, Charles-Henri Philippi, à votre avis, qu'est-ce qui peut motiver un Anglais, John Morton Morris, un riche marchand d'art d'après mes recherches, à participer à l'achat d'un portrait de Napoléon pour un musée municipal situé à Ajaccio ? C'est une forme d'engagement. C'est une forme l'amour de l'art, simplement. C'est une forme de retour aux sources. Ouais. Moi, je lisais dans le journal d'il y a quelques jours, et je ne leur ai pas parlé, mais que nos amis de Brando ont récupéré la Madone de Brando. Ils ont réussi à empêcher une vente d'une œuvre qui aurait été vendue par un curé de Brando il y a un siècle et demi, ou même deux siècles, et qui passait à Drouot pour une estimation de 200 à 300 000 euros. Donc cette façon de défendre le patrimoine, moi alors là j'étais épaté de l'engagement de tout le monde. On le comprend de la part des habitants de Brande, de la part d'un collectionneur londonien. Non, vous voulez, d'abord, vis-à-vis d'un musée municipal situé. Le mécénat, comme vous le disiez très bien, ça n'est pas que du sponsoring. Bon. Donc il faut être, c'est un acte désintéressé. Un grand collectionneur britannique, qui je crois était aussi un commerçant d'art, si vous voulez, se disent, voilà une belle œuvre, cet homme sans doute fortuné, très fortuné, etc. Il faut qu'elle retourne là où elle mérite d'être. D'accord. Moi je trouve ça formidable. Et je trouve que cette œuvre-là prend plus de valeur au musée Fesch que n'importe où ailleurs. C'est la théorie, vous savez, il y avait un grand Anglais qui avait fabriqué la théorie des avantages comparatifs. Le musée Fesch, c'est peut-être pas le grand musée pour tout, mais ça, pour ça, c'est l'écrin qu'il nous faut. Alors, vous êtes vous-même mécène, vous avez créé une fondation, même plusieurs, vous me disiez, mais dans quel but ? Alors, j'ai créé deux fondations professionnelles quand je dirigeais une banque qui s'appelle CCF. Une pour les jeunes talents photographiques, où on récompensait chaque année des jeunes talents. Donc vous voyez, c'est déjà à l'époque, je crois qu'il faut revenir une seconde en arrière, c'est le mécénat patrimonial était plus important historiquement que le mécénat social et culturel et le mécénat des talents. Et notamment les arts vivants. Et les choses ont bougé vers ce qui permet aux gens de se développer, en réalité. Et nous, on avait fait ça, on avait mélangé l'art et les jeunes talents en disant non, nous on va faire une fondation photo, pas pour acheter des photos, pour promouvoir des jeunes qui font de la photo. Et ensuite, on a fait une fondation sociale, culturelle et sociale, qui consistait toujours au CCF, c'est moi qui avais créé ça. On aidait les associations qui, dans les écoles, dans les régions, dans les provinces, faisaient se développer culturellement les jeunes. Donc, du théâtre dans les écoles, du chant, des choses comme ça. Et on aidait l'association. Et moi, ensuite, j'ai créé une petite fondation, donc qui ne porte pas du tout mon nom, et qui me permet, avec les avantages, il faut bien dire que nous sommes très aidés par l'État. Il faut inciter les gens à aider. Oui, on peut donner quelques informations liées aux avantages fiscaux. Pour les entreprises, la réduction d'impôts est de 60% du montant de dons s'il est inférieur à 2 millions d'euros, 40% au-delà de 2 millions d'euros. Et pour les particuliers, c'est 66% du montant du don dans la limite de 20% de son revenu imposable. Bon. Et si le plafond est dépassé, il peut y avoir un report sur les 5 années suivantes. Donc effectivement, ça les gens qui ont la chance de gagner un petit peu d'argent et qui payent des impôts le faire parce qu'ils sont financés aux deux tiers par l'État. Enfin, il faut quand même rendre à César ce qui lui revient. Donc moi, j'ai une petite fondation comme ça et j'ai fait pas mal de choses, que je me suis occupé de l'Opéra Comique à Paris, je me suis un peu occupé du Collège de France, et puis en vieillissant, je me concentre plus sur la Corse. Je me suis toujours occupé plus de la Corse, mais je pense que c'est quand même là que je finirai mes jours. Alors vous organisez... Je suis très attaché à mon pays, donc voilà, donc j'ai envie de faire ça.
Et donc, je fais ça comme ça. Voilà. Donc, vous organisez des soirées lyriques dans vos villages, Vescovado et Herbalong, à deux soirées pendant l'été. Du coup, sans subvention, c'est vous qui financez. C'est une initiative autonome. Mm-hmm. l'expérience de Bastia Corsica, capitale, me fait penser qu'il faut qu'on crée plus d'échanges entre les acteurs qui font ce que je fais. Il y a des gens qui font beaucoup plus. Hein. Moi, c'est très modeste ce que je fais. Mais moi, j'aimerais beaucoup, une fois par an, avoir une sorte de festival de Cannes de la culture et du mécénat en Corse, ce qui nous permet d'échanger, de voir ce qu'on fait et comment faire avancer cette idée de mécénat auprès des Corses et aussi auprès des grandes fondations. Il n'y a pas de raison qu'elles ne viennent pas aussi faire des choses chez nous. Mais justement, c'était une question que j'allais vous poser. Comment convaincre? Parce qu'effectivement, les mécènes sont souvent des chefs d'entreprise qui ont un goût, une sensibilité particulière pour les arts. L'éducation des futurs chefs d'entreprise est donc essentielle pour l'avenir du mécénat et du financement de la culture. Mais aujourd'hui, en Corse, on doit faire avec ce qu'on a. Alors, comment convaincre nos chefs d'entreprise, même lorsqu'ils ne sont pas particulièrement attirés par les arts, de s'investir dans la culture? En matière de mécénat, tout part du projet. Si vous voulez, aller voir quelqu'un en lui disant « on voudrait faire de la culture, faudrait que tu nous aides », c'est sympathique, t'as un avantage fiscal, c'est sympathique, mais quel est le projet? Oui, mais alors par exemple, si on prend un exemple concret, Ajaccio, une ville comme Ajaccio n'a pas de théâtre, est-ce qu'on ne pourrait pas demander aux entreprises du BTP, bien connues chez nous, de financer la construction d'un théâtre pour la première ville de Corse? Il y a des risques de délit. Nous avons évoqué cette question ensemble. Moi, je dis, si vous voulez savoir si des chefs d'entreprise corse, ou non corse d'ailleurs, vont vous aider à faire ça, quel est le projet? Quel est le promoteur du projet? Avec quoi se présente-t-il pour dire « il faut faire ça, on va... Bah, » écoutez, Bonifacio est un exemple. Il y a quelques années, dire qu'on amène Anish Kapoor à Bonifacio, moi je n'y aurais pas cru, très franchement. Bon. Donc ça veut bien dire qu'il y a des gens qui ont pris une initiative et qui sont allés chercher sur la base... Bon. Donc moi je pense qu'il ne faut pas commencer par engueuler les chefs d'entreprise. Il faut commencer par dire voilà ce que je veux faire. Bon. Donc moi si vous voulez... Je ne dirais pas les projets que j'ai de temps en temps pour la Corse, parce que j'ai une idée de projet, mais enfin, je ne peux pas les mener seul techniquement. Mais je peux vous dire que si j'ai l'occasion de faire un projet, je prendrai mon initiative, je ferai ce que je peux faire moi-même, et s'il y a besoin de plus, j'irai voir un certain nombre de gens en disant « il faut faire ça, c'est important pour la Corse, c'est important pour vous, c'est important pour nous tous ». Donc, bon, voilà. Donc, maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que on a sans doute une culture à ce stade qui est peut-être plus patrimoniale, comme elle l'était aussi sur le continent, et oui, on a peut-être plus envie de moins... sauver les vieilles pierres, effectivement, et on a raison. Sauver les artistes qui souffrent parfois beaucoup de précarité. De sauver les vieilles pierres, parce qu'on a beaucoup, beaucoup... Je voyais le président de la Fondation du patrimoine l'autre jour, je lui parlais du câble, je lui disais, ah, mais moi, je connais un couvent. Ah, il me dit, c'est très bien, on subventionne beaucoup de couvents dans dans le Cap, parce qu'il y a beaucoup d'édifices religieux. Et la Fondation du patrimoine intervient, donc on ne peut pas dire non plus qu'il n'y a rien. Non, bien sûr. Très rapidement, cette mission touchée à sa fin. Est-ce que, par exemple, l'emprise mafieuse sur l'économie de la Corse, est-ce que ce n'est pas un frein au développement du mécénat? On sait que mécène ne veut pas forcément dire philanthrope. Il peut y avoir des grands mécènes. On l'a vu aux États-Unis avec la famille Sackler, qui est responsable de la crise des opioïdes et qui s'est racheté une image en donnant à tous les musées du monde et en affichant ses noms dans ses musées. Est-ce qu'il n'y a pas un risque comme ça qu'il y ait de l'argent sale, finalement, qui soit investi dans la culture ? Avec les réseaux d'argent sale, il y a toujours des risques. Il y a toujours des risques. Est-ce que je crois que le mécénat est un lieu prioritaire de risque, si vous voulez, par rapport à l'argent sale ? Je ne le crois pas. D'abord parce que pour être aidé, il faut payer des impôts. En général, l'argent sale, on paye assez peu. Mais on peut, à un moment ou à un autre, avoir de l'argent sale qui veut se faire une bonne réputation, faire des choses. C'est vrai, ça peut exister. Moi, je ne crois pas que ceci puisse, en quelconque manière, nous arrêter. Ça n'empêche pas qu'il faut être très vigilant. Et la collectivité de Corse, très rapidement, est-ce qu'elle doit être, je dirais, l'instance, ou l'organisme qui organise justement ce mécénat et qui met en relation les chefs d'entreprise et les artistes et les acteurs culturels? C'est important que la collectivité soit là, un acteur essentiel, mais c'est un soutien. Il ne faut pas que la collectivité... Est-ce qu'elle pourrait organiser, je dirais, la chose? Moi, je crois qu'il faut qu'on organise le dialogue.
qu'on puisse travailler ensemble, mais dans un système suffisamment flexible. Merci beaucoup, Charles-Henri Philippe, d'avoir partagé votre expérience dans Une Tente ou Culture à les soirées lyriques de Vescovato et Herbalong cet été que vous organisez. Ce sera les 29 et 30 juillet. Nous y serons tout de suite. C'est le Corsicazer. Bonsoir.